je pense que Paris a retrouvé ses marques, comme déjà il avait fait, hein, contre nous. C'était une équipe qui a douté en début de championnat. Alors après, ils ont eu des défaites, mais bon, c'était pas forcément mérité. Et je trouve que globalement, quand même, Paris a retrouvé sa sérénité et son... reste pour moi, ce que je disais déjà à l'époque, la meilleure équipe française. Bah, très clairement, il faudra être collectivement plus fort qu'eux. C'est parce que sur le plan individuel, bon, évidemment, on ne peut pas revendiquer d'être à leur hauteur. Donc bah, il faut être collectivement meilleur que cette équipe qui est déjà quand même très performante. Donc c'est vrai sur le plan d'état d'esprit, c'est vrai sur le plan, ça doit être vrai sur le plan tactique aussi, sur le plan du jeu. Donc voilà, c'est évidemment un challenge qui est difficile, mais on va essayer de le relever. Et puis bon, et après sur le plan de la motivation, évidemment, c'est le type de match où on doit être capable de se surpasser. C'est pas un match qu'on aborde voilà, la fleur au fusil, donc on a toujours des inquiétudes, parce que bon, en plus on a un match aller où il n'y avait pas eu photo dans le rapport de force, donc on a bien sûr ça en tête aussi, mais voilà, c'est de la compétition, donc on doit être aussi capable justement de dans ce contexte où on sait que ce sera difficile de fédérer toutes les énergies pour être collectivement plus fort, et puis de renforcer encore la solidarité. Nous, on se concentre sur ce qu'on doit faire. Voilà, c'est ce qu'on doit faire pour être... Dans ces cas-là, il faut surtout se reconcentrer toujours sur les fondamentaux. Donc c'est pas de trouver des plans foireux, c'est de bien faire les choses, avoir un maximum de rigueur et d'être bon, à la perfection dans ce qu'on cherche à faire. Donc voilà, l'objectif, il est là, l'enjeu, il est là.